Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et bien nous voici en 2019. Je vous souhaite une très bonne année 2019, une bonne santé. Alors avant que la vidéo commence, vraiment proprement parlant, vous pouvez laisser la vidéo tourner, juste écouter. Vous pouvez faire autre chose avec, vous pouvez jouer, vous pouvez faire vos devoirs si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de regarder, parce que ce sera vraiment que cette image. Donc voilà. Alors, tout est écrit déjà dessus, hein, donc voilà, donc une bonne année 2019, c'est mon mini planning en fait, les bonnes résolutions et le retour de Minecraft. Donc voilà, alors on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire on va parler de des séries, un peu de ma vie et de ce qui va arriver sur la chaîne, des projets, etc. etc. Alors on va commencer par parler des séries actuelles. Donc les séries actuelles sont Evoland et Pokémon Jaune. Deux séries que j'adore vraiment bien. Une qui est nostalgique qui est quand même Pokémon, logique. Et une qui est un peu plus découverte. Bah, de quoi? Je connais le jeu, j'ai déjà fait 2-3 fois. Mais avec vous, je l'avais jamais fait. Pokémon Jaune aussi, mais j'ai déjà fait Pokémon Rouge. Alors, pour tout ce qui est jour de diffusion, ben ça change rien, hein, donc on va repartir du bon pied à la rentrée, c'est-à-dire ben, le 7. Le lundi 7, on va repartir sur des bonnes bases, ben, des bonnes bases de vidéos, c'est-à-dire une vidéo le mercredi qui sera le let's play d'Evoland jusqu'à la fin d'Evoland. Le dimanche pour Pokémon. Et on a 2 jours incertains. Ces 2 jours-là, mercredi et dimanche, sont vraiment certains. Ils seront là toutes les semaines. Si une vidéo n'arrive pas un mercredi ou un dimanche, c'est que j'ai eu un problème. Ils arriveront soit le lundi ou le jeudi. Voilà. Et j'ai aussi 2 jours en plus que je peux vous rajouter. C'est vraiment si j'ai vraiment eu le temps de 1. Tourner la vidéo, la motivation, et si j'ai un jeu. Voilà. Des jeux, j'en ai, c'est pas un problème. Surtout les 2 jours là, ce seront des anciens jeux, des jeux. Alors, on va commencer par le samedi. Le samedi, c'est un jeu que vous connaissez un peu tous, hein, si vous regardez un peu ma chaîne. C'est le samedi détente, hein, donc on a du PvP, mais hors Minecraft. C'est simple, on a tous des jeux PVP hors Minecraft. C'est-à-dire, on a Mobile Legends qui est LOL sur mobile, Free Fire qui est quand même. Enfin, qui est quand même un Fortnite sur mobile qui est vraiment pas mal. Faudrait que je me remette à ça parce que je suis plus joué depuis oh là là, très longtemps. Voilà, on a d'autres jeux qui vont arriver. J'en ai un en particulier qui. Je vais tourner la vidéo juste après, donc c'est méga cool. Le nouveau jeu des créateurs de Clash Royale, Boom Beach Clash of Clans, qui n'est nul que Brawl Stars, qui est vraiment un petit jeu que j'apprécie vraiment bien. On peut vraiment faire quelques petits trucs. Il y aura une vidéo qui va tomber sûrement pendant les vacances. Donc voilà, donc pour tout ce qui est série actuelle, c'est vraiment ça. Et bien sûr, le vendredi, on a. On va mettre le vendredi pour mettre les anciennes séries. Pas faire d'upload, hein, pas du tout. Mais par exemple, Mini Metro, j'avais dit que c'était pas fini. On allait continuer après. Refaire des. Essayer de battre des records. Comme Wilkum Racing, on va pouvoir rejouer dessus. Zombie Tsunami, on va pouvoir rejouer dessus. Plein de petits jeux où on peut revenir tranquillement dessus sans se prendre la tête. Et parce qu'on a fini les jeux. Enfin, fini les jeux entre guillemets. Hein. On n'a pas tout fini. Enfin, Mini Metro, je l'ai fini. Hein. Mini Metro, je l'ai fini à 100% avec vous. Donc, je suis vraiment très content.
Donc voilà, on peut retourner sur d'autres petits jeux, des petites vidéos rétro, etc. Et je voudrais bien sûr reprendre le vendredi PVP quand j'en ai. Donc le vendredi PVP, c'est plusieurs petites séries PVP Minecraft réunies dans une série. Donc voilà, je vais pas vous refaire le dessin de vendredi PVP. Je vous laisse aller voir si du PVP sur Minecraft. Alors, pour tout ce qui est série, j'ai un peu tout dit. Et bien sûr, le retour de Minecraft. Ça, c'est le retour de Minecraft. Ça va vraiment être génial. Parce que le retour de Minecraft, c'est vraiment un jeu où je me pose. Parfois, c'est chiant de miner. Parfois, c'est chiant de farmer. Parfois, c'est chiant d'aller explorer pour trouver de la bouffe, pour trouver des trucs. Mais ça me manque. Ça me manque. Et j'ai aucun jeu sur ma chaîne où je dois farmer. Regardez bien. Evoland, je vais faire l'histoire. C'est comme un Zelda, hop, on fait l'histoire. Tranquille. Même chose pour Pokémon, je ne dois pas farmer. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Je ne dois pas farmer. Je dois faire monter, je sais pas, un Pokémon de 10 niveaux parce qu'il est en retard. Voilà, je ne dois pas le farmer comme ça. Donc, et ça me manque, et ça me détend, en fait. Ça me détend. Faut savoir que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. J'ai des jeux sur la Switch, j'ai des jeux sur mon téléphone, je regarde beaucoup de séries en ce moment. Et j'aime bien avoir mon petit jeu où je farm un peu. Je fais ma vie. Bon, après, oui, c'est vrai qu'on a Pokémon Let's Go qui est là où il faut farmer beaucoup parce que j'ai fini le jeu. J'aimerais bien faire mon Pokédex, je l'ai quasiment fini. Je fais le Pokémon Shiny et tout. Faut farmer. Mais c'est un autre farming. Moi, j'aime bien faire des petits autres trucs automatiques, etc. Et en plus, Hypierre a relancé son LP, donc ça me fait horriblement plaisir. Et ça me relance encore plus. Mais j'avais déjà prévu de le relancer avant Evoland. Mais je me suis dit, je vais attendre 2019 pour repartir sur des bonnes bases et tout. Et ben voilà, et Pierre a sorti son LP. Et voilà, donc je vais le faire. Je vais faire le mien. Donc voilà, pour tout ce qui est Minecraft, etc., ben c'est fait. Voilà un peu de ma vie. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et de famille. Donc c'est pour ça que les vidéos que vous allez voir maintenant, à part Brawl Stars et cette vidéo, toutes les vidéos ont été tournées il y a longtemps. C'est-à-dire, je vais vous remettre un peu dans le contexte, Pokémon était tourné au début décembre. J'ai tourné le premier épisode et puis j'ai tourné deux ou trois autres épisodes après. Enfin, un ou deux autres épisodes après. Donc voilà, j'ai toujours ça. Mais le pire, c'est que j'ai encore Evoland. Vous imaginez? J'ai encore Evoland. Il y a très longtemps, ça a été tourné quasiment au mois de octobre, voire novembre. Ça a été vraiment, c'est très loin et je les ai encore. Donc il faudrait que je vous les mette. Donc dès demain, vous avez un épisode d'Evoland qui va revenir pour relancer la série. Et voilà, faut vraiment finir les séries là. J'ai fini Mini Metro qui a duré très longtemps. Donc voilà, d'autres petites séries qui arriveront comme ça prendront peut-être une petite place dans le planning. Par exemple, je sais que j'ai des petites séries qui vont arriver. J'aurai sûrement un Keep the Pocket Edition qui va arriver, qui est en préparation. J'ai contacté quelques joueurs, ils sont d'accord. Donc ça va pas trop tarder. Ça va sûrement arriver, sûrement vacances de carnaval, donc fin mars. Enfin. Fin février, début mars. Donc, il va. Voilà, on a des trucs qui sont en projet. J'ai bien sûr d'autres trucs qui sont en projet, comme par exemple une saison de Risk. Parce que j'adore Risk. C'est des petites saisons qui prennent 3-4 épisodes, mais qui vont pouvoir s'intégrer sûrement pendant les vacances. Parce que c'est plus simple pour moi, etc. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour 2019 qui pourrait arriver? Bah, le LP qui prendrait la place d'Evoland, donc ce serait vraiment le mercredi Minecraft et le dimanche Pokémon, à peu près mes deux jeux préférés, quasiment, hein. Enfin, il y a une de mes, l'autre c'est pas vraiment un jeu, c'est une licence, mais voilà, donc faut savoir que actuellement je suis pas en une très bonne phase gaming,
Quand je dis ça, c'est pas que je joue pas, c'est que je joue beaucoup trop en fait. Par exemple, actuellement, en 2 jours, j'ai acheté 6 jeux sur la Switch. Et j'en ai 2 que j'ai pas encore testé. Là, je suis en train de tester un autre jeu qui s'appelle Yooka-Laylee. Il est sorti en 2015-2017. Donc voilà, Yooka-Laylee, il est sur la Switch. Donc j'ai pris Oceanlands. Et oui, Oceanlands est sur la Switch. J'ai pris Brawl, un genre de démineur. Donc voilà, j'ai pris plein de jeux. J'ai envie de tester beaucoup de jeux. J'ai envie de tester beaucoup de trucs. Je joue à Fortnite. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs que je veux jouer. Mais que parfois, j'ai pas le temps. Je dois faire mes devoirs. Je dois faire mes études. J'ai plein de trucs à faire. Je fais des sorties aussi. Donc j'ai pas tout le temps de faire des vidéos. En fait, ce qui me plaît dans les vidéos, c'est les tourner. En fait, c'est pas les diffuser. Les diffuser, c'est méga chiant parce qu'il faut faire le montage, il faut faire la bannière, il faut faire le truc. Et en plus, j'ai un très mauvais internet. Donc, c'est la merde. Donc voilà, si je mets une vidéo en upload, je veux pas jouer à Fortnite. Si je mets une vidéo en upload, je peux quasiment rien faire pendant 3 heures. Parce que c'est ma 4G de mon téléphone qui met mon internet sur ma Switch. Donc, je peux pas non plus. J'ai des priorités aussi, par exemple. Je dois faire un travail sur internet, sur mon PC. C'est la 4G de mon téléphone qui met l'internet sur mon PC. Je peux pas faire une vidéo et me mettre en porte-à-faux pour les cours. Donc voilà, je peux pas et j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux. J'aimerais bien, mais je peux pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le retour de la chaîne est imminente. Alors, d'ici à la rentrée, c'est-à-dire aujourd'hui, on est. Moi, je tourne ça, on est le 2. Mais vous, elle sortira peut-être le 2 ou le 3. Sûrement le 3. Donc, dites-vous que dès demain, il y aura une vidéo. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, je vais pas prendre en compte les jours de diffusion. Pour moi, ça repart vraiment à partir du 7. Donc, ça se peut que dimanche sera autre chose que Pokémon. Là, je ne crois pas parce que j'ai un Pokémon. Samedi, il y aura sûrement un Brawl Stars vu que je l'aurai tourné après. Il y aura sûrement vendredi, sûrement un Evoland puisque il est préparé. Donc voilà, il n'y aura pas de grandes nouveautés, mais le planning commence vraiment à partir du lundi 7, donc la première vidéo sera une vidéo d'Evoland mercredi. Donc moi sur ce, si vous avez des questions, si vous avez des trucs, etc., etc., venez m'en parler en privé. Et j'y pense, j'ai oublié un petit truc qui est Pokémon Go. Pokémon Go, j'ai arrêté un peu de jouer, je recommencerai sûrement en été. Vous ferez sûrement une vidéo à part pour Pokémon Go parce qu'il y a plein de nouveautés. Donc voilà. Si vous voulez jouer avec moi à Fortnite, mon pseudo c'est comme d'habitude, hein, c'est Pumat12. Vous pouvez m'ajouter si vous voulez. Je joue vraiment tous les jours, 2-3 heures, donc je suis vraiment actif. J'ai un micro, donc vous pouvez me parler tranquillement. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.